bien bonjour à tous les amis, c'est Bonjumper, j'espère que vous allez bien les amis. Écoutez, moi c'est Tony Calc, comme d'habitude, aujourd'hui les amis, on se retrouve pour du Minecraft à l'envers. Et oui les amis, vous ne rêvez pas, on se retrouve pour un nouveau challenge dans Minecraft. Je pense que là, voilà, la vidéo montre tout, on va devoir essayer tout simplement de survivre dans Minecraft, mais réellement à l'envers. Là, ce n'est pas qu'un écran qui est retourné, non, non, regardez, même mon perso est soumis bien sûr à la gravité. Pourquoi je me fais autant de mal? Non mais je vous jure que c'est vrai, les challenges à chaque fois, c'est un délire, c'est un délire ultime quoi. Oh là là, donc là ça veut dire que normalement, si je récupère cette bûche, si je la jette, ça veut dire... Ah oui d'accord, les... même ça c'est soumis à la... Ah bah oui, non mais non, non, ça c'est normal. Ça va tellement être perturbant, donc ça veut dire que là, donc ça c'est normal, étant donné que bah, les blocs ils sont pas soumis à la gravité, mais moi je pense que oui. Alors attendez, on va essayer de récupérer ça directement, hop. Pour récupérer le bois de chêne qui était sur la pelouse quoi, sur la dirt. Et normalement ça veut dire que... alors si je tombe, je peux... Attends, je peux mourir dans le ciel. Attends, non vraiment, attends, fais voir. Oh je tombe. Ah bah salut. Ah bah très bien, non mais c'est... Ok. Non mais... non mais... Ah bah voilà, bah ça y est, je suis officiellement dans le ciel. Oh, je vais mourir. Je suis mort dans l'espace. Je suis mort dans l'espace. Mais what? Alors par contre, oula, il y a des effets secondaires là, quand il revient de... quand il revient de la mort. Ah voilà, ça y est, je vois beaucoup mieux quand même. Là on est d'accord. Ok, donc du coup, alors l'objectif, ça va déjà au moins d'essayer d'atteindre ce village sans tomber dans le ciel. Oh, ce genre de phrase que tu ne sortiras plus jamais à part dans ce challenge quoi, tu vois. Ok, donc du coup, on va essayer de récupérer déjà d'une, bah, du bois de chêne, hein. Alors je vois pas comment ça va être un délire pour aller chasser et obtenir de la bouffe. Oh, mais ça va être nappe, ça va être... ça va être n'importe... ça va être n'importe quoi. Ça va être n'importe quoi. Alors là, normalement, je peux faire une table de craft. Mon perso, il est totalement bugué, quoi. Il est totalement bugué. On va faire quelques sticks, voilà. On va poser la table de craft. Là, vas-y, là, ici, c'est très bien. Oh, même la table de craft, elle est à l'envers. Ok, donc ça, c'est bon. On va se faire une hache. Voilà, histoire de récupérer plus facilement le bois. Donc là, ça veut dire que je peux tomber. Donc il faut que je fasse gaffe à pas traverser les feuilles non plus. Parce que si je traverse la feuille, là, je suis mort, mon pote. Et ouais, parce que là, si je... Je peux tomber là-dedans, regardez. Ok, ouais, très bien. Alors, le soleil, ça va être le truc qui va me permettre de savoir où je suis réellement, tu vois. Ok, donc ça, on récupère les petites bûches. En vrai, si tu regardes comme ça, c'est pas si perturbant que ça. Ah, c'est si tu vois les PNJ et si tu vois les maisons que tu te dis que là, il y a un problème, tu vois. Ok, donc ça, c'est bon. On récupère ça, nickel. Ok, on va se faire masse dalle. Je pense qu'il y a moyen de passer au calme. Ah, attends, les dalles, c'est tellement la vie, quoi. Ok, alors là... Oh là là, oh, attends, faut que je réfléchisse parce que l'arbre, si je le coupe en entier, il va disparaître. Et ouais, il faut y penser à ça, tu vois. Il faut y penser, voilà. Parce que là, c'est un cas de vie ou de mort. Alors, par contre, pour placer les dalles, oh, le soleil qui est en bas comme ça, c'est tellement perturbant. Et la terre qui est au-dessus. Non mais, regardez ça. Non mais là, le cerveau, là, il fait un tour, hein, je te le dis, là, il fait un tour. Ok, donc, l'objectif, ça serait d'atteindre la maison des PNJ par la toiture. Oui, parce que, bon, là, je vais clairement pas passer par la porte principale, hein. Quoique, attends, oh, ça serait énorme. Ça serait énorme, au moins par les fenêtres. Ah, bonjour, excusez-moi, je voudrais... Ah, mais il y avait une table de craft, tu vois. Oh, ok, alors... Oh, il y a des fours. Oh, oui, yes. Oh, là, pour le coup, les fours vont bien nous servir. Attends, il y a moyen que je passe comme... Oh la porte. Oh la porte. Oh la porte. Ok. Voilà, je ne fais que de passer. Voilà, je vais récupérer. Ah, j'ai oublié de faire une pioche. Bah tiens, ça tombe bien, il y a une table de craft. Voilà, nickel. La table de craft qui sauve la vie. Ok, la cobblestone, je peux la prendre? Ah ouais, je pourrais prendre la cobble. Ah, ça pourrait être pratique. Bon, je suis en train de péter un peu les baraques, mais je peux la récupérer. Allez, allez. Oh, mais je suis trop bas, quoi. Attends, je vais me servir de la cobble. Voilà, nickel. Et on va récupérer la cobble au pire. Voilà du... Ah, parce que ça, c'est le toit, ça. Alors, heureusement pour eux, les PNJ sont pas soumis à la gravité, tout comme les mobs, bien sûr. Donc ça veut dire que ça va quasiment être impossible de battre un squelette. T'imagines comment... Lui, il va carrément être méga loin par rapport à moi. Donc du coup, ça, c'est good. On va se faire quelques sticks supplémentaires. Voilà. T'imagines, ils auraient inversé également pour la table de craft. Oh, ça aurait été un délire. Ça aurait été un délire. On va se faire une épée dans le doute. Tac, voilà. Non, je vais pas faire de craft. On va se faire une pelle. Voilà, nickel. Ok, là, je suis bon. Je suis totalement opérationnel. Tac, et on pose ça comme ça. Ok, très bien. J'ai les dalles. Ok, on a les deux. Et... Ne faites pas attention à moi. Tout va bien. Tout va très bien. Je ne fais que de passer. Hein. Je viens juste pour les fours, hein, personnellement. Voilà, donc je récupère les fourneaux. Voilà, comme ça. Ah. Oula. Alors, on va peut-être passer par là. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On a... Oh, un coffre! Nice! On a une armure en fer, ça c'est cool, on a du ping!
Ok, tac, je l'équipe. Impeccable. Voilà, nickel. Ok, bon là, le must, ça serait... Allez, oui, voilà, mon truc est là-bas. Wouah. Ok, ça serait de récupérer... on pourrait aller dans une mine. On pourrait aller dans une mine, ça serait pas mal. Alors, je vais essayer de fouiller quand même les autres maisons. Attends, on va aller voir ça. De toute façon, j'ai la table de craft. Je vais l'embarquer. J'embarque la table de craft avec moi. Comme ça, elle va m'accompagner. Ah, oh, voilà, c'est bon, je l'ai récupéré avant qu'elle parte au plafond. Hein, voilà. Du coup, tac, qu'est-ce qu'on a là-bas? Je peux passer peut-être par là, ouais. On a quelque chose là ici ou pas? J'ai l'impression que c'est juste une maison avec une bibliothèque. Et là, qu'est-ce qu'on a ici? Oh, il y a les cultures! Il y a des cultures! Oh, ça pourrait être génial de vivre à côté d'eux, comme ça, j'aurai les cultures et tout. Oh ouais, les betteraves là-bas. Ouais, les betteraves, elles sont à côté, les betteraves. Ok, on va partir pour les betteraves. Voilà, comme ça. Oh là là, mais dans un village, c'est tellement plus stylé, quoi. De voir le monde et tout, comment il est retourné. Ça, je casse. Ok, nickel. Tac. Là, je pourrais faire un système. J'entends des mobs. J'entends des mobs. Je pourrais faire un système pour monter comme ça. Voilà. Donc oui, ça s'appelle un escalier, pareil, dans les temps modernes. ah oui, non, les cultures sont déjà là. Ah ouais, mais elles vont être à l'envers aussi. Non, c'est une blague. Alors, elles vont être à l'envers. Ok, alors, donc, ici, il va y avoir mes cultures personnelles. Mais non, oh là là. Oh là là. Donc ça, si je le pète, ça reste au plafond. C'est très bien. C'est exactement ce que je voulais. C'est parfait. Voilà, c'est parfait. Donc là, je peux récupérer des cultures. Voilà, des betteraves. Voilà, je me suis fait une petite plateforme au calme. Comme ça, on est bien. Regardez, donc ça, je vais récupérer les betteraves. Elles sont prêtes, impeccables. Voilà, ça aussi. Alors, par contre, on va faire attention quand même à pas tomber. Je vais. Oh là là. Il faut pas oublier que là, je veux pas partir dans l'espace. C'est mort. Donc, ça, tac, je peux le remettre. Ok, je remets les graines. Tranquille. Qu'est-ce que j'ai là? Oui, j'ai les carottes. Ok, les carottes, je vais les reposer aussi. Voilà, comme ça, ça va pousser un peu. J'ai quelques betteraves, j'ai aussi du pain. Donc bon, on a de quoi s'en sortir. C'est tellement ouf de le voir comme ça à l'envers. Ok, donc là, j'ai pas de quoi faire. Oh, il y a des lits, il me semble, dans les maisons. Je crois qu'il y a des lits. Alors, peut-être pas dans cette version-là, mais alors, dans le tout. Oh, je peux sauter là. Oh, c'est chaud. Ah oui, une torche. Ah oui, mais non, mais si je l'enlève, j'aurais plus rien non plus. Bon, très bien. On n'a pas de lits. Ah, il y a des mobs. Il y a des mobs. Attends, on va quand même faire un truc histoire d'être bien parce que je veux pas mourir. Je veux pas du tout. J'entends un zombie. Il y a des zombies. Ok. Alors on va on va vite aller là-bas. Ils me viennent vers moi là. Donc ça veut dire qu'ils peuvent pas m'atteindre si je me mets là. Ils peuvent pas m'atteindre. Ah ouais, non. Regardez, je suis beaucoup trop haut par rapport à eux. Oh yes. Je peux les poutrer par dessus. Eh mais en vrai, il y a aucun moyen qu'ils me touchent là. Regardez. Oh génial. Oh c'est génial. Bon du coup là, il faudrait que je passe. Alors ça je vais le péter. Mais par contre là ils peuvent venir. Attention. Non. Allez, non. Oh là là, les zombies plafond, c'est exorciste le truc. Ok. Non. Allez, ça dégage. Ça meurt. Voilà, c'est bon, c'est réglé. Ok. Ma cobblestone, elle est où? Voilà, c'est bon, elle est ici. Ok. Ça je vais le péter parce que ça me gêne quand je rentre. Là je vais essayer du coup de faire un accès. Bonjour, je suis Olivier de Carglass. Bonjour monsieur. Directement au niveau d'une grotte. Alors attends, où est-ce que je pourrais aller pour faire ça? J'ai pas de lit, mais c'est horrible. J'ai que dalle. Bon, vous savez quoi? On va faire ça directement ici, au niveau de la forge. On va péter la barrière. Voilà, et là. Et là, on va utiliser de la cobble. Tiens, parce que la cobble, on va en avoir de la masse après. On va utiliser de la cobble en masse pour péter ça. Et là, normalement. Voilà, c'est bon, ok. Ça y est, je suis pas totalement fou. On va pouvoir atteindre les grottes, mais directement à l'envers. Voilà. Donc, donc ça devient nappe. Ça reste quand même nappe. Ok, donc du coup, ça, bah, je vais le garder avec moi, de toute façon. J'ai de la dirt. Ah non, mais j'arrive pas à prendre la dirt. Non, mais c'est pas vrai. C'est une blague. Attends, voilà, c'est bon. Si, c'est bon, j'ai la dirt. Ok, j'ai même. Oh, il y a du charbon, nice. On va pouvoir se faire des torches. Et aussi également pouvoir faire cuire le fer, enfin, faire fondre le fer. Voilà, parce que faire cuire le fer. Voilà, nickel. Ok, ça, je récupère. J'ai des sticks. Tac, on va se faire des petites torches. On va mettre de la lumière ici. Ah, voilà. Là, on y voit déjà un peu plus clair avec la torche à l'envers. C'est tout à fait logique. Bon, les amis, c'est bon, on est bon. On a directement regardé du fer ici. Alors, par contre, ce qui est génial, c'est que normalement, dans les grottes, t'es censé descendre. Alors que là, tu fais que de monter, tu vois. C'est vraiment le monde à l'envers, le truc, voilà. Donc, du coup, on va récupérer un peu de fer. Voilà, histoire de se faire un peu d'équipement en fer, hein, ça pourrait être sympa. Ah voilà, d'une pioche et tout. Non mais j'étais vraiment en train de bugger parce que je me dis ouais mais c'est bien mais je pourrais rien combattre parce que tout va être en dessous de moi, tu vois. Au-dessus de moi, voilà. Ok, donc du coup ça je récupère, on met une torche.
Oh, j'entends des mobs. Attends, donc ça veut dire que si ça se trouve, il y a une grotte. Oh, t'imagines, il y a une grotte dans quoi? T'imagines une crevasse? T'imagines une crevasse, comment je vais galérer pour rentrer dedans? Alors les amis, je viens de trouver une grotte. J'ai hâte de voir ce que ça va donner d'aller dedans. Non mais regardez ça, voilà. Alors attendez, on casse ça. Oui, j'ai été chercher du bois et tout, tu vois, au cas où j'ai besoin de stick. Et là, alors là, c'est le délire. Le délire qui commence. Alors attends, par contre, toi, tu meurs, j'ai oublié de faire, bien entendu, ma pioche en fer. Alors c'est pas grave, on va faire tout ici. Là ça va être l'épreuve finale, tu vois. Ok, donc tac, ça je mets ça là. Voilà, donc là on va poser le four. Oh la vache, ouais ça fait vraiment bizarre. Oh la vache. Non mais c'est tellement perturbant quoi. Ok, donc ça je mets ça comme ça. Les betteraves, est-ce qu'on peut... Je sais même plus si on peut cuire les betteraves, j'en sais rien. Ça suit pas les betteraves. Non ça suit pas, non les betteraves, non ça suit pas. Ok, ça suit pas, ok. Voilà, ça... Allez, tu meurs. Là j'ai normalement assez de fer pour pouvoir faire justement... Attends, il faut essayer avec un seau d'eau. Oh ça doit... ça doit être ouf, tu dois voir la flotte qui monte, tu sais. Et aussi également une pioche. Ouais ok, bon, de toute façon déjà on va faire des torches. Histoire quand même de pas trop se perdre, hein, comme ça au moins on sera tranquille là-dessus. Aïe. Ok, non, tu meurs. Non mais laisse tomber. Voilà, c'est bon, pour une fois c'est moi qui est au plafond et pas toi, voilà. Ok, donc ça c'est bon, nickel. Et on va se faire, attends, j'ai déjà plus de stick. Mais what? Ah bah oui, en même temps j'ai tout utilisé pour les, pour les torches, le mec il balance tout dans les torches, tu vois. Voilà, l'importance est donnée, très bien, tac. Et encore une autre pioche en pierre. Ok, c'est bon, on est bien, là on est bien. Le reste on le laisse, c'est pas grave. Tac, ça j'en veux pas, ok, peut-être la bouffe aussi, hein. La bouffe ça peut être important, il paraît, voilà. Oh, ok, what? Oh non, le squelette. Ok, on a un squelette. Ça allez, on a un client. On a... J'aurais peut-être dû faire une épée en fer. Est-ce que j'ai encore le temps ou pas? Est-ce que... Attends, est-ce que j'ai ce qu'il faut ou pas? Il arrive. Oh, il m'a raté. Oh, attention. Oh, je crois qu'il est plus mauvais quand je suis au-dessus. Ah oh, non, en fait. Non, il est encore pire. Il est encore pire. Oh là, ça y est, ok, on l'a eu. Très bien, donne-moi ça. Oh, je vais être obligé d'utiliser ça. Attends, t'es sérieux? Attends, j'ai obligé d'utiliser la cobble, quoi. Ok, nickel. Bon, au niveau de la bouffe, on a encore du pain, donc ça, c'est top. On a un creeper. Oh, attends, il y a peut-être moyen qu'il nous attrape pas, là. Regarde. Oh, tu as le seum. Et là, la gravité, elle s'inverse. Et là, oh là, si je tombe là-dedans, là je suis mort. Là, c'est le rush kit. Il y a carrément l'araignée. La sorcière, plutôt, qui essaye de nous choper. Elle est en train d'empoisonner tout le monde. Ah, bah, c'est nickel. Alors là... Là tu es belle. Alors là tu es magnifique. Ok, bon moi je vais me balader comme ça. Bon les gars, je vous laisse. Tranquille. Ah, je peux pas mettre des torches au plafond? Non, bon ça va. En vrai Non. L'essai est toujours de viser en vain quoi. Regarde ça quoi. La pitié se lit dans son visage. Je pense qu'on va essayer de s'occuper quand même de la sorcière, parce qu'il y a un moment elle va vraiment être terrible. Attends, si je monte là comme ça, il y a moyen. En vrai, si tu penses juste au fait que les mobs sont à l'envers, écoute, c'est moins perturbant d'un coup. Oh, par contre, là, non, pas le poison. Non, c'est le pire, ça. Il est à l'envers. Elle est buggy, on est d'accord. C'est le pire. Non, là, c'est le pire. Non, il me reste combien de temps? 20 secondes de poison, t'es sérieuse? Non, mais là, je suis... Bon les amis, après 3 tentatives de mort. Ah bien sûr, ah non, c'est pas 3 tentatives de coup d'épée, tu vois, 3 tentatives de mort, j'ai enfin réussi à dégager les sorcières. Oui, parce qu'à la fin il y en avait 2, oui tu vois. J'ai une, c'était largement suffisant, mais il a fallu que j'en rajoute 2, tu vois. Oh non, pas le squelette. Mais non, mais là il peut me dégommer totalement, c'est abusé. Je ne peux pas l'atteindre. Alors attends, si je vais là, qu'est-ce qu'on a ici là? Ouais, on a une petite grotte bien sympa là. Donc normalement ça veut dire qu'ils peuvent venir aussi ici normalement. Ils peuvent venir. Alors attends, il me semble que quand je suis venu tout à l'heure, j'ai cru voir qu'on pouvait avoir une autre grotte ici. Mais la déception. Mais c'est un cul-de-sac, voilà, c'est un cul-de-sac. Bon bah j'ai pas le choix, je suis obligé d'aller là-bas. Je suis obligé d'aller vers la mort. Mon destin m'accueille, regarde là-bas là. Regarde les deux squelettes là, ils m'accueillent là. Ok, alors là on va courir au max. Oh, mais en vrai, si t'as pas d'arc, c'est l'enfer. C'est l'enfer. Après tu me diras, je peux faire un truc, ça pourrait être sympa, ça pourrait être genre, je bloque comme ça. Non, le creeper. Le creeper. Ok, c'est bon, il est bloqué. Il est bloqué. Là, il est pas bloqué. Ça y est, il est bloqué. Ok, voilà, il y aura pas de to be continue aujourd'hui. Bon, à défaut d'avoir été bloqué à cause du creeper, j'ai quand même réussi à trouver une autre grotte ici. Bon, bah ouais, parce que de toute façon, il faut pas oublier qu'il faut monter, hein, et pas descendre, hein, bien sûr, pour atteindre, bien sûr, les autres grottes. Voilà, donc du coup, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a. Oh, on a de la lave et de l'eau. Nice. Ok, alors, on a un squelette. Très bien, on a un squelette. Alors, le squelette, le chétan, je me barre. Oh, on a une crevasse. Waouh, wow. C'est tellement ouf. Et là,
si jamais le challenge il s'arrête, je meurs. Là, c'est la mort, là, en plein dedans. Parce que à quel moment tu te retrouves en dessous de la lave comme ça, quoi. Donc, du coup, alors attends, j'avais vu qu'il y avait une crevasse là. Alors, ça serait cool de pouvoir récupérer la source d'eau et de voir un peu ce que ça donne. Oh, ok, donc là, normalement, voilà, la source d'eau se barre. Donc, ça veut dire que si je la jette là, ça va monter. Alors par contre, ouais c'est bon, je suis pas trop soumis à la flotte, donc c'est déjà ça. Ok, tac, on va remettre des torches du coup ici. Alors attends, la croix c'était où déjà? Il me semble que je l'ai perdue. Ah, elle était là, ok, elle était là, donc ça veut dire que que oui, dans une crevasse, oui c'est très très haut. Alors on va éviter de mourir. Alors on a de l'or, c'est pas mal. Mais par contre, l'avantage, c'est pour ça que je suis mis dans la crevasse. L'avantage c'est que les squelettes seront beaucoup trop bas par rapport à moi, que bon, ils ont des corniches et là, ils sont beaucoup bien à la hauteur, ils sont beaucoup trop hauts, tu vois. Ok, donc du coup, on va récupérer un peu de fer. Voilà, tu me diras, pour le moment, le fer, c'est pas ce que je veux. J'aimerais au moins avoir de la redstone, du lapis lazuli et de l'or. L'or, il est beaucoup trop haut, j'en ai vu beaucoup plus près tout à l'heure. Alors, le creeper qui va tomber dans la lave. Il va tomber dans la lave, quoi. Oh, ouais, l'avantage, c'est que là, je peux tellement les trolls de ouf, quoi. Oh, y a du diamant, ça. Il y a du diamant, ça. Alors, par contre, ça va me prendre 1000 ans pour monter tout là-haut, là, non? Il me faudrait des échelles. Ah ouais, ça serait insane, ça. Est-ce que... Ah, j'aurais pas assez de sticks. Ah, j'aurais pas assez de sticks. T'imagines le délire. Le délire ultime d'avoir des... Ok, alors, attendez. On va se rapprocher déjà du truc. Est-ce que j'ai de la bouffe ou pas encore qui traîne? Ouais, ça, c'est... Oh, bah, attends, je vais manger les pommes. On va manger les pommes. On a quoi, là? On a de l'or. On a une autre grotte, ici. Très bien. Y a pas de mob. Ok, alors par contre, oh l'échelle. Oh, ça pourrait être génial. Ouais, mais bon, y a pas assez de. Bon, bah, tu sais quoi, on va faire un. On va faire un truc. Oh, bah, attends. Mais y'a mieux que ça. Bah, oui, le seau d'eau. Regarde ça. Mais voilà. L'ascenseur ultime. L'ascenseur ultime, quoi. Non, mais regarde ça, quoi. C'est tellement un délire. C'est tellement un délire. Ok, bon, par contre, là, je pourrais pas retirer la source. Alors. Non. Oh, j'ai failli mourir. Ok, alors normalement le diamant était par là, je crois. Il me semble. Je vais éclairer un petit peu parce que là je vois que dalle. Voilà, donc là on a lapis lazuli, nickel. Allez, vas-y, on récolte un maximum de minerais. Non, ça va tomber. Voilà, c'est bon, je l'ai pris. Je m'en fous, je l'ai pris. Là, on n'a pas de l'or qui traîne pendant que j'y suis là. Bah, ça, je peux l'esquiver. Je peux esquiver la source de lave. Ah, oula, j'ai failli cramer quand même. Ok, tac, on va pas trop prendre la confiance. Alors normalement le diamant. Ah oui, le diamant qui est là, quoi. Non, mais même à l'envers, il est chaud à obtenir, quoi. Voilà, ok, nickel. Oh, c'est beau, oh, c'est beau. Alors là, j'aurais jamais cru obtenir les gens du diams dans un challenge comme ça, quoi. Le diams à l'envers, total, quoi. Ok, yes. Ok, bah voilà, mais il nous reste plus que... Ah bah, la redstone, bah regarde, la redstone est à côté. Parfait, voilà, tac. Je vais récupérer tranquille... Oh, il y avait de la lave, là. Tranquillement, la redstone. Je vais chuter dans l'eau, voilà. Et là, on a de l'or là-bas qui va être... tellement simple à obtenir. Ouais, c'est tellement pratique ce système de seau d'eau, quoi. Alors attends, on va péter le bloc comme ça il va se bloquer totalement ici. Non. Ok, bon, ah oui, je suis plein, attends, je suis full. On va enlever l'andésite, ça on en a pas besoin. Voilà. Et je récupère, j'ai dit, je récupère le minerai d'or. Voilà. Franchement, le challenge, quoi, c'est un délire. Bon, par contre, je suis mort tellement de fois, quoi, à cause des creepers et surtout des sorcières. Ouais, bah ça, pour le coup, c'est le cas de... Et la chute libre aussi. Ah, bah ça, la chute libre. Ok, c'est bon, j'ai trouvé la sortie. Allez, vas-y, on se barre d'ici. On se barre. Attends, non, il y avait aussi une autre sortie, il me semble. L'autre sortie, elle était quelque part. Elle était là. Ouais, elle était là, c'est bon. Ok. Oh là là. J'étais en train de la vie la mort, là. Déjà, au niveau cœur et bouffe, là. Et là. Ah, ouais, non, faut que je repasse là. C'était la pomme, c'était l'animation de la pomme. J'ai eu peur rien qu'avec ça, tu vois. Ok, donc là, normalement, si je continue par là, il y avait le squelette. Le squelette. Non. Voilà, deux cœurs, ça passe. Oh, j'ai une armée de mobs qui me poursuit, quoi. Ok, oh, on est bon ou pas? On est bon, hein. Je crois que c'est. Voilà, nickel. Ok, allez, vas-y, on ramène ça. Voilà, allez, le PNJ. Ça dégage. Allez, on dégage. Ouais, on dégage, pardon. Excusez-moi, monsieur, voilà. Ok, donc là. Ah, ouf, oh, on était quand même mieux dans les grottes. C'est vrai que là ça pique. Là ça pique. Ok, c'était du bon côté ou pas? Yes! Regardez, l'arbre est toujours intact. L'arbre est toujours intact. Et vous savez quoi, les gens? Pour le fun, parce que là le challenge est quand même bien réussi, je trouve. On va se mettre en game mode 1. Voilà, comme ça. Et on va récupérer. Regardez le gadget qui permet de repasser à l'endroit. Et là, c'est le. C'est le délire! Voilà ce que ça donne. Ah ouais, non mais...
là en vrai il y a un mec, il arrive alors qu'il lui il voit pas le monde à l'envers. Il se dit mais c'est passé quoi, le mec il a pété un câble. Le mec a pété un câble. Non mais totalement. Donc là c'était là où je suis passé. Ah oui non, c'était ici où je suis passé au début. Et là waouh, mais c'est tellement différent quand tu reviens dans le monde normal. Ah ouais, donc là c'était la fameuse forge où je suis passé avec le pont bien entendu. La grotte, oh, la grotte est ici. La grotte est ici quoi. Ah ouais non mais c'est un délire. C'est vraiment un délire. Ok, et là normalement on va voir un petit peu là où j'ai mis les fourneaux et la table de craft. Ah oui, du coup ils sont un peu plus en hauteur. Bah oui, parce que pour moi là le bloc là il était au sol. Bah voilà, bah les gens, je pense qu'on peut dire qu'on a quand même pas mal réussi le challenge. C'était un truc de malade. C'était vraiment un truc de malade. N'hésitez pas justement les gens à lâcher le petit like comme d'habitude qui fait extrêmement plaisir, ainsi que vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche pour ne rien rater au niveau des notices de vidéo. Et pour fêter ça en beauté, on va terminer. On va re-terminer bien sûr, une fois plus. Ah bah d'accord, je suis tombé. Direction, et bah écoutez le ciel. Voilà, à bientôt les amis.